Shout out how it is. Hendrix. I promise I swear, I'm there, baby. Yo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui on n'est pas mercredi et il n'est pas 4h, donc c'est pas une vidéo normale que je vais faire aujourd'hui. Ça va être une vidéo assez courte, voilà, juste annonce pour vous dire que je vais faire deux meet-up ce mois-ci, donc enfin, le mois prochain en avril. Donc sortez vos agendas, surtout pour ceux qui sont dans le sud et qui sont en vacances aux alentours du 20 avril. Et enfin une vidéo de marque à vous présenter vite fait. Donc du coup je suis trop contente pour vous retrouver aujourd'hui, j'ai trop hâte de tout vous annoncer, de tout vous dire. Pour ceux qui me suivent sur Snap et Instagram, vous le savez probablement déjà, mais du coup voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire, c'est parti. Donc du coup le premier meet-up qui va se dérouler dans le sud-ouest et plus particulièrement au parc des expos de Toulouse. Donc du coup vous l'aurez compris, c'est à Toulouse et c'est le 7 avril. Donc du coup je mettrai le lien du site en description pour acheter vos billets si vous voulez venir. Il coûte 4,50€ il me semble. L'année dernière je vous avais fait gagner plein de places à vous, mais là du coup cette année ça va être beaucoup plus restreint parce qu'il va y avoir beaucoup plus de monde, des youtubeurs beaucoup plus influents, etc. Parce que le test, on va dire, qu'on a fait l'année dernière a beaucoup marché. C'est pas très très cher, 4€, enfin voilà, c'est pas l'entrée que pour voir les youtubeurs, c'est dans une foire et du coup il y aura une section, on va dire, youtubeurs comme l'année dernière. Donc franchement n'hésitez pas à aller en description parce que je vais vous mettre toutes les infos et le lien du site, vous cliquez, ça vous met l'heure, la date, comment acheter, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, c'est où exactement. Du coup je vais quand même vous dire 2-3 informations là comme ça parce que je suis pas là que pour vous dire d'aller cliquer sur des liens. La foire de Toulouse c'est pas que le 7 avril, c'est quelques jours avant, quelques jours après, mais du coup c'est vraiment le 7 avril qu'il y aura les youtubeurs. Si vous venez d'un autre jour on ne sera pas là. Du coup c'est de 11h à 19h, vous pouvez venir avant mais je crois que le parc des expos n'ouvre qu'à 11h, ou alors les youtubeurs seront entre guillemets accessibles qu'à partir de 11h. Donc du coup voilà, si vous voulez, bon, les youtubeurs présents vous les avez aussi dans le lien en bas dans ma description, mais du coup je vais pas tous vous les annoncer là. Du coup voilà, on est une quarantaine de youtubeurs. D'abord il y aura les hangouts comme l'année dernière, donc en fait c'est une partie, on va dire, de la foire, section youtubeur toujours, où on est quoi, une 5-6 abonnés, enfin vers 10 abonnés, un truc comme ça, et on est un ou deux youtubeurs et en fait on parle avec vous tout simplement. C'est vraiment une façon de discuter plus intimement avec vous que quand il y a plein de gens autour, etc. Donc voilà, on pourra discuter, on parlera autant de temps que vous voulez. Enfin moi je suis venue, je me suis déplacée ce jour là à Toulouse pour vous voir et pour vous et pas pour autre chose. Donc me dites pas j'ai pas osé venir te voir, il y en a plein qui m'ont dit ça l'année dernière, c'était trop nul parce que, enfin vraiment tous les abonnés qui sont venus me voir, dites-moi dans les commentaires si je me trompe pour certains, mais j'ai vraiment pris le temps de rester avec, de discuter avec vous, photos, vidéos, tout ce que vous voulez. Je sais qu'aussi il y a beaucoup de personnes qui m'ont découvert grâce à ce meet-up l'année dernière et que vous me suivez toujours encore aujourd'hui, donc vraiment merci beaucoup et j'ai hâte de vous revoir du coup cette année. Du coup voilà, il y aura Tony, Léna elle sera pas là, donc Léna Dora parce qu'elle passe ses concours, donc si tu passes par là je te fais de gros bisous, j'espère qu'on pourra se revoir une autre fois. Du coup qui sait qu'il y a aussi qui viennent, il y a une Libanaise, il y a Mathilde, il y a Pastel, etc. comme l'année dernière. D'ailleurs j'ai encore mon petit poster de l'année dernière juste ici. Je suis un petit peu fatiguée parce que je rentre du lycée là, donc j'ai mes éclairages dans la gueule, c'est super. Bref, du coup voilà 7 minutes pour vous parler de la foire de Toulouse et ensuite du coup quelques jours plus tard, donc ça sera pendant les vacances si vous êtes en zone, enfin genre Toulouse, etc. Je crois que c'est la zone B, il me semble que je suis la zone B, je sais plus. Du coup je pense que vous serez en vacances, donc ça sera le 28 avril. Donc pour ceux qui sont en vacances, qui ont été en vacances en même temps que moi, aux dernières vacances, là vous serez encore en vacances. Du coup c'est l'occasion de se déplacer et de venir à Tarbes, même si vous habitez à Toulouse, voilà c'est pas très loin. Donc là ça sera un petit comité, je crois qu'on sera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, je crois qu'on sera 12 youtubeurs et il n'y a qu'un seul garçon et je ne sais plus comment il s'appelle le pauvre. Mais du coup voilà, là il y aura Kay, il y aura Pastel, il y aura WhatsApp Claire, une Libanaise, là il y aura d'autres gens plutôt cool et du coup n'hésitez pas à venir également. Je pense que là ça sera à peu près la même chose que pour Toulouse mais un petit peu plus restreint. Je vais aller voir si j'ai pas autre chose à vous dire sur la foire de Tarbes, les heures, etc. L'événement Facebook, ouais je crois qu'il n'y a pas de site, il y a juste un événement Facebook mais ça suffit largement. Du coup ça commencera qu'à 14h le meet-up, mais voilà si vous êtes là avant dites-moi ça, et ça se finira à 20h il me semble, parce que là voilà, donc c'est le samedi 28 avril de 14h à 20h. Là c'est tout ce qu'il y a à savoir. La billetterie je crois que c'est moins cher que Toulouse, je suis sûre que j'ai oublié quelque chose, mais encore une fois voilà, si vous avez regardé jusqu'ici et que vous allez
en description, voir tous les liens. Je pense que ça devrait bien se passer. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. Je suis dispo sur les réseaux sociaux et en commentaire. Donc dites-moi en commentaire si vous venez. Les trucs que j'ai reçus, donc la première chose, ces petits chocolats. Donc c'est la marque OG Crunch, je pense que vous connaissez. Donc c'est dans ces petits pochons. Leur nom, ce n'est pas de la drogue, mais des petits chocolats, voilà. Donc je pense que vous avez reconnu de quoi il s'agit et qu'est-ce qu'ils ont voulu imiter. Et moi j'ai trouvé ça plutôt sympa, c'est une façon de vous présenter des chocolats pour Pâques un petit peu originaux. J'étais tombée sur leur Instagram il y a hyper longtemps, j'avais quand même oublié que ça existait. Et voilà, j'en ai ouvert qu'un, donc c'est le Super Crunch que j'ai ouvert. Trois petits papiers et plein d'autocollants comme ça, j'en ai déjà collé un sur mon agenda. Et j'aime vraiment beaucoup leur logo, je trouve ça grave original. Ouais, en plus je le mets à l'envers. Un truc au thé, aux cacahuètes, à noix de coco, aux myrtilles. Comment c'est présenté et tout, enfin genre c'est hyper réaliste, genre j'aime trop. Ils m'ont aussi envoyé un t-shirt, donc il y a le logo OG Crunch ici. Si vous allez voir, mais du coup il y a le logo en gros comme ça, je sais absolument pas ce que je filme. Je vous ferai une photo Instagram il me semble, ou peut-être qu'elle sera déjà postée, je pense aussi. Je suis beaucoup la marque, mais comme vous savez, c'est très rare que je fasse ça, mais vraiment je suis ravie de ce partenariat et c'est vraiment trop bien, donc merci beaucoup. Le deuxième truc dont je vais vous parler, c'est ce petit pantalon que j'ai reçu de la marque Shein, avec qui tout le monde collabore, mais du coup je me suis dit pourquoi pas moi, voilà. Donc c'est un pantalon qui se présente comme ceci, enfin c'est plutôt un pantacourt, il est assez large et court, et j'en porte de plus en plus de pantalons comme ça, enfin je trouve ça grave stylé. Et du coup voilà, c'est élastique comme ça et il y a deux poches. J'avais juste deux fils qui pendaient en bas que j'ai coupé, mais sinon la qualité elle est top, les finitions aussi. Donc franchement après ça c'est vraiment pour l'été, enfin moi je m'amuserais pas à porter ça. Peut-être au printemps si, mais c'est surtout l'été quand j'aurai la flemme de me mettre, en short. Enfin le tissu il est agréable et c'est pas comme un maillot de bain, je sais pas si vous voyez, parce que souvent les filles elles sont déçues que les pantalons ça fasse un peu texture maillot de bain. Là je suis super contente, je vous mettrai le prix à l'écran et en description le site de OG Crunch et de Shein si ça vous intéresse. Je tenais à vous remercier vraiment pour tout l'amour que vous m'apportez et c'est grâce à vous que je peux recevoir tout ça, donc merci beaucoup. Et du coup je vous fais plein de bisous et j'espère qu'on pourra se voir au meet-up. J'espère vraiment qu'on pourra se voir au meet-up. L'année dernière c'était une journée exceptionnelle et là d'en vivre deux comme ça bientôt et deux fois en un mois, enfin, ça va être vraiment trop bien. Je vous fais plein d'énormes bisous, je vous aime très fort, je vous embrasse très fort et je vous retrouve mercredi à 4h pour une prochaine vidéo. Bye. Tandis qu'une poignée de clochards s'écrit au secours. Ouais, c'est vrai que je suis vite stone, ouais, c'est vrai que je suis vite stone. Avec mes histoires, ma weed et puis mes Winston. Ouais, c'est vrai que je suis vite stone, ouais, c'est vrai que je suis.